Just relax, put your arm down, just rest it comfortably, just lean back, just be very comfortable and relaxed, trust me, okay, close your eyes. Now, just listen for a moment, listen to the sounds of the room around you. Alors ce qui me plaît dans la vitesse, c'est déjà que moi je suis un grand fan de cette voix officielle. Alors, il y a aussi des gens qui aiment la voix non officielle, des voix, moi j'adore parce que ça fait comme le 100 mètres plat, c'est une discipline sûre. C'est de voir les records tomber, d'arriver à des 5,60 comme on est maintenant. S'il y a 3 ans en arrière on nous avait dit qu'on arrivait à des records comme ça, on n'y aurait pas cru. Donc ça me plaît énormément. Ce qui me plaît aussi, c'est de voir nos Français qui montent puissamment, parce que c'est pareil, s'il y a 3 ans, 4 ans, on nous avait dit que les Français allaient pouvoir remporter un titre de championnat du monde, un titre de champion du monde à Bercy, on n'y aurait pas cru non plus. Cette année, c'est faisable, filles et garçons. Le fait de rentrer dans la polyvalence, faire du bloc, de la vitesse et de la difficulté, ça rajoute un plus, tant au niveau de la gestuelle qu'au niveau de l'approche mentale, qu'au niveau de tout ce qui est stratégie aussi. Ils peuvent faire des transferts entre toutes les disciplines et c'est vraiment important au niveau de la formation de nos jeunes grimpeurs de pouvoir leur proposer les trois activités. Allez, attention, parce que là, c'est pareil. Si Gabarit vous marque, elle a du talent, on regarde ça, on sait qu'il part très bien. Marjol, il passe grosse. Alors on a réussi à avoir un nouveau mur là cette année, à la fois pour préparer Bercy aussi les années futures. Un nouveau mur, c'est un nouveau jouet, hein. C'est comme des enfants qui déballent des cadeaux de Noël, là c'est la même chose pour les grimpeurs, ils sont tout contents de trouver un nouveau mur, un nouvel outil d'entraînement et qui plus est qui fonctionne bien parce que du coup ils arrivent à aller assez vite dessus avec un grip qui est très très bon aussi. Allez, c'est parti, on fait les derniers manèges, on fait les manèges à la rentrée. Et puis, on fait les manèges, on fait les manèges à la rentrée. Allez, on fait les manèges, on fait les manèges, on fait les manèges, on fait les manèges. Allez, Romain, allez! Aujourd'hui, mon but vraiment sur ces championnats de France, c'est pas de battre mon record, c'est vraiment d'être régulier. Ce que je veux, c'est pouvoir faire 6-10, dire grand maximum 6-10 sur tous mes runs. Voilà, je sais que si j'arrive à faire ça, entre 5,90 et 6-10, hein, parce que ça joue à rien, si j'arrive à faire ça, il y a de grandes chances que je gagne des Coupes du Monde, que je sois sur le podium du classement général, que je gagne Bercy, que voilà. Il y a de grandes chances que j'ai plus de chances d'y arriver en essayant de gérer ce paramètre-là, donc la régularité, qu'en essayant d'y aller tout le temps à fond et de battre mon record à chaque fois. C'était plutôt bien parti jusqu'au jeté et là j'ai fait une grosse zipette sur la prise assez inhabituelle. Et c'est vrai que ça m'a sorti un petit peu de ma concentration, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé comme ça. Du coup derrière j'ai voulu assurer un peu sans aller à ma vitesse habituelle. Donc derrière j'ai refait une erreur et du coup je me suis jeté sur le buzzer à la fin pour essayer de sauver la mise.
Et en regardant le chrono, je vois 11 secondes, je dis oula, c'est vraiment catastrophique. Et en même temps, ouf, on est ex aequo, on va pouvoir refaire le run. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant d'erreurs dans un seul run. Allez, à mon avis, à nous, bah là c'est mon troisième titre de championne de France, donc je suis contente de le conserver cette année, et surtout que ça a été un peu limite. Donc voilà, je vais essayer de continuer là-dessus et puis voilà, de me faire plaisir. Applaudissements pour Lucas Boucher, top 10 France.